l'abbaye de Sylvacane, comme ses sœurs du Toronnais et de Sénanque, ont une acoustique absolument exceptionnelle pour les voix. Et donc, l'idée de faire un festival autour de la voix, voilà, c'était une évidence. C'est une acoustique qui est absolument porteuse pour des programmes très purs et très épurés, avec quelques voix, quelques instruments. Natali regis gloriae, laetatur se licuria, damnatur dux per fidie, perite ius potentia. Tristatur ostis impius, gaude genus mortalium, advenit fidei filium, carnissum ens hospitium. Sanavit quod perierat carnis indutus pallio, ponendo quod induerat nostraxit ab exilio. Nostraxit ab exilio nostri misertus hominis, crucis lavit suspendio, humani lament criminis. O quanta mirabilia, quam felix matrimonium, Christo numit ecclesia, celebratur convivium. Celebratur convivium superni regis filio, hoc predixere gaudium profete vaticinio. Novo cantemus homini, novis induti vestibus, laudes canamus virgini, fugatis propulus ordibus. Qui sumquam vidit Italia, Deus creator omnium, o in enarabilia velicoc in exilium. Thank you.
guardar al niño
Thank you.
Thank you.
Lament, ma tribus suis dixerunt ubi est triticum et vino. Serat quasi vulnerati in plateis civitatis, cum exhalaret anima suas in sinum atro suaro.
simila bote, filia Jerusalem, qui exequa bote et consolabor te, viro filia Sion. Mania est enim verit mare, contritio tua, quis me debitur tu. Iniquitatem tuam, ut eat penitentiam provocarat. Videro totem tibi assumptiones falsas, et Jerusalem, converter
depuis que l'abbaye de Silvacane appartient à la commune, dans le cadre du transfert des monuments historiques de l'État aux collectivités territoriales. Donc l'abbaye est à la commune de La Roque d'Anthéron. Et depuis qu'elle est à la commune, il y a une volonté très forte d'animer ce lieu, de le faire vivre, de lui insuffler toute une dynamique culturelle et artistique. Donc dans ce cadre-là, depuis 2008, il y a une volonté de proposer des concerts en lien avec l'acoustique de l'abbaye, bien sûr, parce que l'abbaye a été construite aussi pour les chants, pour magnifier les chants des moines cisterciens. Et puis une volonté aussi de faire des expositions d'art vivant, donc des expositions d'art contemporain, en lieu avec le site, qui a toujours été emblématique d'une certaine créativité qu'on a retrouvée chez les cisterciens par rapport à l'art, à son dépouillement, à l'architecture, et qu'on met aujourd'hui en dialogue avec l'architecture et l'art en général d'aujourd'hui. Donc il y a plusieurs espaces qui sont utilisés pour mettre en valeur cet art contemporain, ces expositions d'art contemporain, qui sont le réfectoire, comme on peut voir aujourd'hui, avec l'exposition de Kovakevitch. On est en partenariat avec le CIRVA, le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques de Marseille, avec qui on est en partenariat depuis l'année dernière déjà. Donc cette exposition a lieu dans le réfectoire. Le réfectoire aussi est assez emblématique aussi de la création contemporaine, car on a déjà le souffle de Sarkis qui a imprégné le réfectoire de ses empreintes à travers les vitraux, le mobilier aussi. On a aussi des expositions qui prennent l'intégralité du monument, comme actuellement on a l'exposition de Nicolas Lavarenne qu'on fait en partenariat avec la ville d'Aix, d'Aix-en-Provence. Chaque année, on a une exposition sur la thématique d'un parcours d'art contemporain entre la ville d'Aix, le centre urbain de la ville d'Aix, et puis l'abbaye de Silvacane, qui est le seul lieu décentré où se trouvent ces sculptures. Les voies de Silvacane, c'est une synergie de différentes personnes, de différents partenaires. Il y a d'un côté la volonté de la mairie de La Roque d'Anthéron qui a en gestion l'abbaye de Silvacane depuis 2008 de créer un festival de musique vocale. Et puis il y a d'un autre côté une directrice artistique, Monique Zanetti, qui avait envie de proposer une programmation de musique vocale autour de l'ornementation et de l'improvisation. Je suis donc chanteuse spécialisée dans le répertoire du 17e et depuis longtemps maintenant, je m'intéresse aux musiques dites traditionnelles, de culture orale, de tradition orale. Et mon expérience en tant que chanteuse spécialiste du répertoire du 17e a fait que je me suis intéressée à tout ce travail sur l'ornementation et l'improvisation que transmettent ces chanteurs traditionnels. Et parce que dans le répertoire baroque et pré-baroque, on retrouve cette tradition de l'ornementation et de l'improvisation. Et nous sommes confrontés, nous, chanteurs, à l'improvisation qui, sans laquelle cette musique ne peut pas se faire. Il y a eu plusieurs personnes qui ont mis en lien la mairie et l'association de Monique Zanetti des voix du baroque hein, pour que le projet puisse se faire dès cette année, avec un fort appui de la communauté du Pays d'Aix, qui est en partenariat avec la mairie de La Roque d'Anthéron pour valoriser l'abbaye de Silvacane. Shri Varana Shri Varana Shri Varana.
Bonsoir. Nous sommes très contents d'être avec vous ce soir. Bienvenue dans la musique carnatique de l'Inde du Sud. And that's as much French I speak. I wish I could know more of the language, of this beautiful sounding language, to communicate with you. Maybe next time I will better myself. I wish to take you all into this adventurous, mysterious, musical, and magical journey into the world of Carnatic music, classical music of South India. Classical music of South India is called Carnatic music, and it's a beautiful amalgam of what we learn from our teachers and what we create spontaneously, impromptu. We have great compositions written
by very great composers over several hundred centuries, I would say 100 years perhaps, and 20 centuries. And we hold them as a treasure, as the soft power of the country of India. And I just wish to take you along with us through the language of music, which has its own emotions and traverses beyond border, religion, nationality, language, words, everything else. It just needs the connect between the souls presenting the music and those of you receiving the music. My teacher always used to say that when we begin a concert, it's like you are there and we are there. But somewhere during the concert, you and I melt together to just savor the melody and the divinity of music. And that is precisely what we wish to do this evening. What we presented as an invocatory piece, composition to bring you all into the hall again after that beautiful reverberating concert, was a composition of a great composer called Dikshitar, and it was addressed to the elephant god Lord Ganesha. Now we just move into music and less of words. Mm-hmm.
Thank you.
Da 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 ba da ma.
Thank you.
was about Visalakshi. She's a form of Parvati, wife of Shiva, Lord Shiva, and the goddess who governs the universe. Having sung about her, I think it's fair enough to sing about her husband, Lord Shiva. This is almost like a song which you can imagine the cosmic dance of Shiva. There is a prelude of a Sanskrit shloka of the Lord Nataraja in Chidambaram, and that is followed by Bo Shambho, written by a contemporary yogic guru, Swami Dayananda Saraswati. Bo Shambho, Shiva Shambho. Gangadhar Shankar Karuna
Gangadhar Shankar Karuna Kare
as many of you might already know, the classical music of India, especially Carnatic music, is very deeply linked with the divine. When you read the lyrics, when you understand the lyrics, you realize that divinity is intertwined in every word and almost every kriti or song or composition is addressed to some form of god or goddess. We just sang two compositions, one of course the first on Ganesha, the next on goddess Parvati, the next on Lord Shiva. Now we complete that family circle with another composition addressed to the second son of Shiva and Parvati, Muruga. This is like a trip to the temple of Muruga. When they go on special days, they carry what is called a kavadi, and which is a wooden stick and a circle behind it, half circle, semicircle, and they dance with it and go. They climb the hills and complete their vows. So this song is like a trip to one of the temples of Muruga. வள்ளிக்கணவன் பேரை வழி போக்கன் சொன்னாலும் மாலை
Next, move into a soulful bhajan of Purandaradasa. He is one of the leading composers of yet another leading composer of Carnatic music. He's called the father of Carnatic music because he set certain patterns for learning. This is addressed to Lord Krishna, and it speaks of the loving relationship between mother and child, between Yashoda and Krishna. Jagadodarana adisidalu Yeshu. See the leash, oh, 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 oh
Hare Mukunda, Hare Mukunda, Hare Mukunda.
last composition. It's very short. It's in a folk style. It reflects the deep thought that though we address God with different names, Christ, Allah, Narayana, Hari, Shiva, Krishna, Parvati, whatever, in whichever form, he finally is just one, one cosmic energy that we are bound to, and he or she who shows compassion on us. This is a song by another South Indian composer, and it is addressed to the God of Seven Hills, Lord Venkatesha. And we complete this concert, with your permission, with this composition. And I would take the pleasure of reflecting their thoughts, Raghavendra, Skanda, and I. Thank you very much. Truly privileged and honored to be here in this wonderful ambience. It's like I was in heaven, I'm in heaven, and I don't want to get out of it, but all good things have to come to an end. So we wish you all good luck, prosperity, peace, and happiness and love ahead of you in all your days. Thank you. Brahmanudu mettu bhoomi
Kadu punyilanu papa